Rejoignez la tour de prière Summer TV. Un cri de libération pour ma famille. Un ouragan de prière puissant pour la libération des familles avec la prophétesse Frida et le pasteur Bienvenue Manzioni. Un ouragan de prière puissant pour la libération des familles avec la prophétesse Frida et le pasteur Bienvenue Manzioni. Shalom, shalom, shalom. Shalom, famille TPS, ce soir. Que le Seigneur vous bénisse encore ce soir, que le Seigneur vous fasse du bien et que le Seigneur répande sa pluie de bénédiction sur chacun de vous. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés ce soir et que la main du Seigneur soit sur chacun de vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons aimer la vidéo, permettre à quelqu'un de voir cette vidéo, permettez à une personne de se connecter à ce programme. Je vais prier le Seigneur, comme l'heure est déjà avancée, je vais prier le Seigneur et nous allons commencer notre programme. Nous allons prier pour notre 4e session de notre 12e jour. Amen. Et nous rentrons donc dans notre 13e jour, dans quelques 40 minutes, nous allons rentrer dans notre 13e jour de jeûne et prière. Gloire à Dieu. Alors, prions le Seigneur ensemble, disons merci à Dieu de nous avoir accordé d'être là encore ce soir dans cette 4e session. Amen. Nous voulons bénir le Seigneur, nous voulons le célébrer et lui dire merci pour la force, pour la grâce, pour la faveur. Nous voulons reconnaître ce soir que c'est sa grâce et sa faveur qui a permis que nous puissions être là. Prions le Seigneur. Alléluia. Tendre Père de gloire, Seigneur ô Dieu, toi qui es le bon berger, toi qui es Seigneur, ô Dieu, le bon berger des brebis, je viens Seigneur te célébrer encore ce soir. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore d'être là dans ta présence ce soir. Merci pour la force que tu nous renouvelles en nous afin que nous puissions encore chercher ta face cette nuit. Reçois la gloire, la louange et la magnificence. Nous voulons Père que tu prennes le contrôle de ce temps de prière. Et que les anges soient déployés maintenant, que les anges soient actifs, que la puissance du Saint-Esprit se déverse comme un feu, se déverse comme un vent, se déverse comme de la pluie ce soir, afin de rapporter encore, d'emmener encore, d'installer encore, d'instaurer encore la délivrance, la guérison, la libération, le changement dans les vies, dans le nom puissant de Jésus. Fais-nous du bien, Seigneur. Je viens sécuriser ce temps de prière par ton sang précieux. Je brise l'esprit de fatigue. Je brise au nom de Jésus-Christ l'esprit de lourdeur. Je brise l'esprit de sommeil. Je viens briser tout esprit de distraction, de souci, tout esprit de pensée oisif au nom de Jésus. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole et de la puissance de Jésus-Christ maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Leïla, sois bénie. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Oh, j'aimerais te voir. Vraiment, fais un effort que tu viennes là. J'ai besoin de te voir. Sois bénie, Leïla. Gloire à Dieu. Diane, shalom à toi, là où tu te trouves. Shalom à toute la famille TPS internationale, notre famille qui est à l'étranger. Soyez bénis et j'ai hâte de vous voir aussi. Amen. J'ai hâte de venir là où vous êtes, en Italie, au Togo, au Cameroun. Le Seigneur fera grâce, on pourra se voir. Et je crois que l'année prochaine, 2022, qui est notre année de repos, on fera des grands programmes où le Seigneur va se glorifier, je le crois. Amen. Soyez donc bénis, Maman Isanga soit bénie, Niki soit bénie, fortifiée, Annick Faveur, Annick Guillemot, soit bénie, vous toute la famille TPS qui êtes fidèle au poste depuis des années, depuis des mois, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Gloire à Dieu. Torénéma soit bénie. Gloire à Dieu. Alors, nous voulons rentrer dans notre prière de ce soir. Je ne serai pas longue. Amen. Nous n'allons pas rentrer dans des exhortations, des prédications, des enseignements. Nous allons juste lire la parole de Dieu
et ensuite nous allons rentrer dans notre prière de ce soir. Notre thème principal, c'est « Donne-nous du repos ». Donne-nous du repos. Amen. Notre thème principal, c'est « Donne-nous du repos ». Et Dieu a déjà commencé à déverser son repos dans la vie de chaque personne. Dieu a déjà commencé. Les personnes qui n'étaient pas connectées pendant la session du culte ce matin, je vous prie de revoir le culte et de suivre le message que j'ai donné aujourd'hui. Suivez ce message, c'est très important. Et si tu n'étais pas connecté, laisse-moi un signe pour me dire que tu es passé, tu as suivi le message. Donc, tu mets « Amen ». En tout cas, tu fais un commentaire pour que je vais contrôler. Je vais regarder qui a regardé, qui n'a pas regardé. Voilà. Oh, Kadi Soro, je viendrai en Côte d'Ivoire. Ça, c'est chez moi. Je viendrai en Côte d'Ivoire, je viendrai à Abidjan. Ça, ce n'est pas un problème. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Nous allons donc prier par rapport à ce psaume que j'ai, sur lequel j'ai parlé le matin. Le psaume 23. Amen. Je vais le lire. Je vais lire le psaume 23. Nous pouvons l'ouvrir. C'est un psaume qui est très court. Il n'est pas long. Et c'est un psaume qui est puissant dans les prières. C'est-à-dire, quand vous avez des problèmes, quand vous avez des difficultés, vous pouvez faire ce psaume. Vous pouvez le faire 3 fois. Vous pouvez le faire 7 fois. Vous pouvez le faire 12 fois. Vous le faites et c'est un psaume qui ouvre les portes. Amen. Et quand je dis faire le psaume, il ne faut pas le faire mécaniquement comme ça, non. Quand tu le lis, tu dois vivre les paroles que tu es en train de lire. Gloire à Dieu. Donc, c'est un psaume que vous pouvez utiliser dans les difficultés, dans les problèmes, dans les situations. Vous pouvez prier avec ce psaume. Merci Seigneur Jésus. Alors, je vais lire. Nous sommes dans le psaume 23. Gloire à Dieu, le psaume 23. Je vais le lire. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors que nous sommes en train de chercher le repos, ce psaume est un psaume qui tombe à pic, qui tombe à point nommé. Pourquoi ? Parce que c'est un psaume qui parle de repos. C'est un psaume qui parle du berger. Alléluia. Excusez-moi, je viens de voir un message ici. Divito, maman, j'avais envoyé un témoignage sur WhatsApp. D'accord, je vais regarder. Ok, je passerai les témoignages. C'est vrai que en ce moment, je ne regarde pas trop, mais je vais regarder, puis on passera les témoignages. Il n'y a pas de problème. Si vous avez un témoignage, n'hésitez pas à le passer, à m'envoyer un message audio et on va le passer sans problème. Il faut envoyer à ce numéro-ci. Vous envoyez votre témoignage audio, vous l'enregistrez. Qu'il ne soit pas trop lent, qu'il ne prenne pas 30 minutes. Amen. Qu'il soit au moins de 2 minutes, 3 minutes. Voilà. L'idéal, c'est 2 minutes. Comme ça, au moins, c'est bon. Gloire à Dieu. Et c'est un psaume qui parle vraiment du repos. Parce que David dit, au verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ce qui veut dire que le Seigneur veut que nous puissions reposer dans de verts pâturages. Dieu veut te donner du repos. Dieu veut te donner la paix. Alléluia, Lilor soit béni, je ne t'ai pas vu pendant le culte, hier aussi je ne t'ai pas vu, je ne sais pas, j'espère que tout va bien chez toi, que le Seigneur te bénisse, voilà. Dieu veut que tu puisses reposer dans des verts pâturages. La pensée de Dieu pour ses enfants, c'est qu'ils puissent être au repos. Vous savez, avant que Jésus ne parte au ciel, après sa résurrection, il est venu, il a dit aux disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ou encore, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Il manque un S au mot dans. Oh là là, ah bon. Aïe, ok. Merci beaucoup, Félix. Voilà, il manque un S, vraiment. Hop. Dans les vers. Dieu veut que tu puisses bénéficier de son repos.
C'est pour cela que Jésus avait dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, une paix que le monde ne peut donner. En fait, le repos que Dieu nous donne, le monde ne peut pas le donner. Le repos que Dieu nous donne, le monde ne peut pas le donner. Amen. C'est pour cela que tu as besoin du repos de Dieu. Et Dieu prend plaisir à ce que ses enfants puissent être dans le repos. Dieu prend plaisir à ce que toi, tu puisses être dans le repos. Alléluia. Hop là, voilà. Je corrige ça. Merci beaucoup de m'avoir signalé l'erreur. Gloire à Dieu. C'est pour cela que David pouvait dire, il me fait reposer. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Bon, j'écris dans les verts, mais c'est dans de verts. Amen, c'est la même chose. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il va te conduire là où il y a ton repos. Et je répète encore, chaque personne a une terre de repos. Chaque personne a un endroit où Dieu a prédestiné. Un endroit dans lequel toute personne trouve un repos. Dieu a prévu un endroit où tu vas trouver le repos. Il y a une terre que Dieu a réservée pour chacun de nous, là où nous allons trouver le repos, c'est-à-dire là où tu vas trouver ta bénédiction, là où tu vas trouver ta grâce, là où tu vas trouver ta faveur, là où tu vas trouver tout ce dont tu as besoin. C'est pour cela que David dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Et quand il me fait reposer, ensuite il me dirige près des eaux paisibles. Quand on voit encore le vocabulaire du mot paisible, le paisible fait encore partie du repos. Parce que le repos, c'est la paix. Le repos, ben c'est le paisible. Le repos, c'est la quiétude. Le repos, c'est le bonheur. Le repos, c'est le calme. Le repos, c'est-à-dire il n'y a plus de guerre. Le repos, c'est la tranquillité. Paisible fait partie du vocabulaire de la tranquillité. C'est ce que Dieu veut. Alléluia, c'est ce que Dieu veut. C'est pour cela que 2022 doit être ton année de repos. Là où 2021 a été une année agitée, là où 2021 a été une année compliquée, là où 2021 a été une année, où les choses n'ont pas été faciles pour toi. Je prie et je déclare que 2022 soit l'année du repos, l'année du repos. Que le repos rentre dans ta maison, que le repos rentre dans ta famille, que le repos rentre dans ta santé, que le repos rentre dans tes affaires, que le repos rentre dans toute chose que tu peux faire. Alléluia, dans toute chose que tu peux faire, que le repos puisse rentrer. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer. Il me fait reposer. C'est Jésus-Christ lui-même qui va te faire asseoir. C'est Jésus-Christ lui-même qui va te faire reposer. C'est Jésus-Christ lui-même qui va te conduire. C'est Jésus-Christ lui-même qui va te nourrir. C'est Jésus qui va te nourrir. C'est pour cela que David a dit, remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, alors il agira. Tout ce que nous remettons à l'Éternel, en fait, tout ce que nous laissons entre les mains du Seigneur, bien-aimé, finit toujours par être béni. Tout ce que nous laissons entre les mains du Seigneur finit par ramener une solution. Tout ce que nous laissons entre les mains du Seigneur ramène la délivrance. Amen. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, alors il agira. Remets ton sort à l'Éternel. Quand on dit remets ton sort à l'Éternel, ça veut dire remets ton année à l'Éternel. Donne ton année 2022 à Dieu. N'aie pas peur des vaccins. N'aie pas peur de Zemmour ou Zemmour sera président ou quoi. Peu importe qui sera président, tout ce que toi tu sais, c'est que tu bénéficies du repos de Dieu. C'est que tu vas jouir du repos que Dieu réserve à ses enfants. C'est que tu vas jouir du repos que Dieu va te donner. Peu importe qui dirigera ton pays, peu importe qui sera président demain, peu importe qui est au gouvernement, peu importe les lois qui sont votées au Sénat ou encore à l'Assemblée nationale, ce que toi tu sais, c'est que tu reposes, tu es dans le repos de Dieu. Ce que toi tu sais, c'est que le Seigneur Jésus te donne le repos. Alléluia. Le repos. Il y a toujours une différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Vous devez savoir. Dieu fait toujours la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Quelle gloire Dieu va-t-il tirer si ses enfants doivent souffrir comme les enfants, comme les gens du monde? Non.
Il permettra toujours que ses enfants puissent être en paix. Il permettra toujours que ceux qui sont en Christ, je dis bien, ceux qui sont en Christ, ceux qui sont à Christ, ceux qui appartiennent à Christ, puissent être dans la paix. Il y a toujours un reste qui vit des bénédictions. Il y a toujours un reste qui reçoit la bénédiction. Alléluia. Le Dieu qui t'a protégé pendant la première vague est le même Dieu qui va te protéger pendant, qui t'a aussi protégé pendant la deuxième vague. Celui qui t'a protégé pendant la troisième vague te protégera aussi pendant la quatrième vague, la cinquième, la sixième, même jusqu'à la millième. Il va te protéger. S'il n'a pas permis que ça te touche à la première vague, il ne permettra pas que ça te touche à la cinquième. Amen. Il faut avoir la foi et croire qu'il te fait reposer dans de verts pâturages. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Quel que soit ce qui se passe, même si tu vois que tu n'as pas de travail, tu dois croire que le Dieu qui t'avait donné un travail hier est le même qui va encore te donner un travail aujourd'hui. Le travail que tu avais avant, c'est lui qui te l'a donné. Même si tu n'es plus là-bas, il va se pourvoir pour te donner encore un autre travail. Nous devons avoir la foi en Dieu. Nous devons avoir la foi en Dieu. Ce Dieu qui a permis que tu puisses encore te réveiller le matin, que tu puisses avoir le souffle de vie, est celui qui va encore pourvoir à tes besoins. S'il permet que tu te réveilles le matin, c'est parce qu'il a prévu de pourvoir à tes besoins. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a bien dit, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire dans tous les domaines de ma vie, je ne vais manquer de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il te conduira toujours là où il y a les eaux paisibles, là où il y a la paix. Il te conduira toujours là où il y a la bénédiction. Il te conduira toujours là où il y a les bonnes choses. Il te conduira toujours là où il y a la santé divine. Il te conduira toujours là où il y a des bonnes choses pour toi. Amen. Il te conduira toujours là où il y a des eaux paisibles. Les eaux paisibles, ça représente beaucoup de choses. Les eaux paisibles, c'est ta santé. Amen. Là où tu es agité par la maladie, tu as besoin des eaux paisibles. Tu as besoin d'un accalmie. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin du repos. Le repos. Et il dit, il restaure mon âme. Encore là, on parle de la restauration de l'âme. Une âme qui n'est pas restaurée est une âme qui est confuse. Une âme qui n'est pas restaurée est une âme qui est agitée. Une âme qui n'est pas restaurée est une âme qui n'est pas tranquille. Une âme qui n'est pas restaurée est une âme qui est, c'est une âme qui aura un peu, qui sera mal à l'aise. Amen. La tête en l'air, le cœur en l'air, l'âme en l'air. En tout cas, la personne sera mal à l'aise. Une âme qui n'est pas restaurée est une âme qui est mal à l'aise. Tu n'es pas à l'aise, tu dors mal, tu as besoin de médicaments pour dormir, tu n'es pas bien, tu as besoin de médicaments, tu es soutenu par les médicaments. Pourquoi? Parce que ton âme n'est pas tranquille, ton âme n'est pas dans la quiétude, ton âme n'est pas dans la paix. Mais David dit, il restaure mon âme. C'est pour cela que je déclare en 2022, le Seigneur Jésus-Christ va restaurer ton âme. Il va donner la paix à ton âme. Il va donner la joie à ton âme. La joie que les circonstances t'ont volée. La joie que les méchants, les hommes méchants t'ont volée. Les bonnes choses qui étaient dans ta vie qu'on t'a pris à cause des problèmes, à cause des situations. Le Seigneur Jésus va restaurer ton âme et il va te conduire dans les sentiers de la justice. Pourquoi? Tout simplement à cause de son nom. Amen. À cause de son nom. Parce que Dieu ne permettra jamais que son nom puisse connaître la honte. Tu dis qu'il est ton père, tu dis que tu lui appartiens, il ne permettra jamais que son nom puisse connaître la honte. Il ne permettra jamais, quand tu dis je suis enfant de Dieu, je suis le temple du Saint-Esprit, sache que le Saint-Esprit va s'assurer que tout aille bien dans ta vie. Le Saint-Esprit va s'assurer que tu as la victoire, parce que c'est son nom qui est engagé. Amen. Son nom est engagé. Il va s'assurer que tout aille bien dans ta vie, que la bénédiction soit dans ta vie. Ce qui veut dire que même si les choses ne marchent pas, sache que la finalité des choses, c'est la bénédiction. Quand les choses n'avancent pas, il y a l'humiliation, il y a la douleur, il y a la complication, il y a des choses bizarres, il y a des combats, il y a des oppressions, il y a tout ce que vous voulez, tous les sions que vous voulez, tous les mots qui finissent par sion, compression, altercation, il y a des divisions, il y a des choses qui finissent par sion, tous les sions là. Même si tu as tous les sions sont dans ta vie, mais sache que
La finalité de choses, ça sera la restauration. La finalité sera la bénédiction. La finalité sera, bien-aimé, la finalité sera que Dieu va te donner la victoire. Il faut considérer la finalité. Considère la finalité. Peu importe les chemins que Dieu peut emprunter, des fois, on ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu est en train de faire. Lui-même, il a dit, aussi longtemps que, de la même manière que le ciel est éloigné de la terre, ou la terre est éloignée du ciel, mes pensées sont éloignées de vos pensées. Mes pensées ne sont pas tes pensées. Il y a des choses que Dieu fait dans notre vie, on ne peut pas les comprendre, on ne peut pas comprendre pourquoi on passe par de telles difficultés, pourquoi on passe par une telle situation, pourquoi on passe par une telle humiliation, mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Or, les pensées de Dieu pour nous sont toujours des pensées de victoire, de gloire, de bénédiction. Amen. C'est toujours des pensées de victoire, de gloire, de bénédiction, de guérison, de témoignage. Ce n'est pas des mauvaises pensées. C'est l'homme qui est agité. Mais les pensées de Dieu, c'est pour cela, considère la finalité. Même si je suis dans un point A aujourd'hui, mais je sais que mon point Z sera la victoire. Même si je suis au point 1 aujourd'hui, je sais que mon point 10 sera la victoire. Les difficultés que je passe en ce moment sont juste, c'est juste des transitions. C'est juste des arrêts de bus, mais ce n'est pas ma destination finale. Amen. C'est des correspondances que je fais. C'est des correspondances qui vont me permettre d'arriver à ma destinée finale qui sera la victoire. Parce que Dieu, là où il engage son nom, ne permet jamais que ses enfants puissent connaître la honte. Dieu ne permettra pas que tu puisses connaître la honte. Il ne permettra pas que ta fin soit une fin honteuse. Il ne permettra pas que ta fin soit une fin humiliante. Il ne permettra pas. Parce que son nom est engagé. Il s'assurera toujours que tu puisses avoir la victoire. C'est pour cela que le repos, il est pour toi, au nom de Jésus. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu as besoin de repos. Tout ce qui tourmente ton âme, je brise cela au nom de Jésus. Là où tu es tourmenté dans ton âme, tourmenté par des situations, je brise tout tourment et j'impose le repos de Dieu dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. J'impose le repos de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu veut te bénir. Il va même prendre tes ennemis, les personnes qui te font du mal, tes adversaires, les ennemis qui te font du mal. Les mêmes viendront pour te bénir. Les mêmes viendront pour ouvrir des portes pour toi. Les mêmes viendront te chercher pour te faire du bien. Les mêmes. Ceux qui t'insultaient hier seront les mêmes qui vont te bénir demain. Ceux qui t'insultaient hier seront les mêmes qui vont te bénir demain. Ceux qui t'insultent aujourd'hui seront les mêmes qui vont t'acclamer demain, au nom de Jésus. Alléluia, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors nous voulons prier le Seigneur. Alléluia, nous voulons prier le Seigneur, intercéder et ensuite permettre que nous puissions nous reposer pour revenir tout à l'heure et recommencer notre cycle de la semaine. Gloire à Dieu. Alors là où tu te trouves, commence à prier avec moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Bien-aimé, tu vas dire avec moi, tendre Père, je te bénis encore ce soir. Merci pour l'assurance et la garantie que tu es pour moi, oh Dieu. Merci pour l'assurance et la garantie que tu es pour moi, pour ma destinée, pour ma vie, car tu es mon bon berger. Merci pour l'assurance et la garantie que tu es pour moi. Oui, l'Éternel est ton assurance. Le Seigneur Jésus est ta garantie. Le Seigneur Jésus est ton assurance et ta garantie. Même si on te donne un traitement à l'hôpital, mais en réalité, ton assurance et ta garantie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ta guérison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ton ordonnance parfaite, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Commence à dire merci au Père parce qu'il est ta garantie, parce qu'il est ton assurance, parce qu'il est ton berger, parce que c'est lui qui te garantit la paix, parce que c'est lui qui te garantit le repos, parce que c'est lui qui te garantit la victoire, parce que c'est lui qui te garantit la guérison, parce que c'est lui qui te garantit toute chose que tu n'as pas dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.
Tendre Père de gloire, mon bon berger, je te bénis, je te loue, je te magnifie, je t'exalte encore, oui, ce soir, parce que tu es mon bon berger. Merci car tu es ma garantie et mon assurance. Je viens te bénir, mon Père, parce que tu es l'assurance de ma vie. Tu es la garantie de ma vie. C'est toi, Seigneur, qui me garantis la vie. C'est toi qui me garantis la victoire. C'est toi qui me garantis mon âme. C'est toi qui me garantis, Seigneur, oh Dieu, les belles choses. Parce que tu es mon berger et parce que tu es fidèle. Je viens te célébrer, je viens te louer, je viens te magnifier. Toi qui es l'Éternel des armées, tu n'échoues jamais. Et tu n'échoueras jamais. Tu ne connaîtras jamais la défaite. C'est pour cela que je viens te bénir. Bien-aimé, bénis ce Dieu qui ne connaîtra jamais la défaite. Notre Dieu ne connaîtra jamais. Alors jamais il ne connaîtra la défaite. Il est le Dieu des victoires. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu, bien-aimé, des miracles. Il est le Dieu des choses impossibles. Il est le Dieu de l'impossible. Là où on a dit que c'était impossible, lui, quand il vient, il ramène le possible. Dans ton dictionnaire, il y a le mot impossible. Il y a la définition du mot impossible. Mais dans le dictionnaire de Dieu, le mot impossible n'existe pas. Parce qu'il est le Dieu de toute possibilité. Le mot impossible n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Le mot impossible n'existe pas dans le livre de Dieu. Le mot impossible n'existe pas. Dans son livre, il est écrit « Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. » Rien n'est impossible. Dans son vocabulaire, il y a rien n'est impossible. Rien n'est étonnant devant lui. Rien n'est difficile. Rien n'est compliqué. Rien ne l'étonne. Rien ne le dépasse. Rien. Là où les médecins sont dépassés, notre Dieu n'est jamais dépassé. Là où même le patron peut être dépassé, notre Dieu n'est pas dépassé parce que rien n'est impossible à lui. C'est pour cela que nous lui disons merci. Merci car il est notre assurance, notre garantie, notre force, notre rocher. Oh, notre tour forte. C'est lui la tour forte sur laquelle nous nous tenons, sur laquelle nous nous tenons encore ce soir. La tour forte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre tour forte, notre garantie, notre protection. Oh, c'est lui. Nous voulons le célébrer. Nous voulons le louer, nous voulons l'exalter ce soir, le ressusciter du troisième jour. Oh, il ne connaît pas la mort, il ne connaît pas la mort, il ne connaît pas la mort. Il a appelé la mort sommeil. Alléluia. Oh, quand il a expiré, il n'était pas mort. Il était parti pour prendre la clé de la mort et du séjour des morts. Il était parti pour livrer en spectacle Satan. Il était parti pour libérer les captifs dans les séjours des morts. Il était parti, oh, pour vaincre. Il est ressuscité en vainqueur. Il est ressuscité en vainqueur. Son tombeau est vide aujourd'hui. Son tombeau est vide aujourd'hui. Tout homme, tout celui qui est né de la femme, quand il meurt, il reste dans le tombeau. Mais Jésus-Christ de Nazareth est mort et il est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est le Dieu de la résurrection. Il a la capacité de ressusciter toute chose dans ta vie. C'est pour cela que nous le bénissons. Nous louons son nom. Nous l'exaltons parce qu'il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est celui qui est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Avant même le commencement, il est. Et après la fin, il est. Oui, il est celui qui vit. Il n'est pas dans le temps, il est dans l'éternité. Et il vient agir dans le temps. Nous bénissons ce Dieu merveilleux. Nous magnifions ce Dieu merveilleux. Reçois la gloire, reçois la louange. Oh mon Père, je te bénis ce soir. Même quand le sorcier fait ses complots, quand le sorcier fait des mauvaises choses, l'œil de l'Éternel le voit. Quand les méchants font le complot contre ta vie, contre ma vie, l'œil de l'Éternel le voit. Quand ils parlent dans les ténèbres contre quelqu'un, l'oreille de l'Éternel entend. Car la Bible dit, rien n'échappe à notre Dieu. Rien n'échappe à son regard. Rien n'échappe. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est omniscient. Rien n'échappe. Il scanne la terre en un clin d'œil. Même quand tu peines tes cheveux et que tes cheveux tombent, il est au courant que tel nombre de cheveux sont tombés de ta tête. Il connaît même le nombre de tes cheveux. Ce que toi, tu ne peux compter, il est capable de le compter. Il connaît le nombre de grains de sable sur la terre. Il est l'Éternel des armées. Oh, je te bénis, mon Dieu. Je t'exalte. Reçois la gloire et la louange. Le Dieu de miracles. Le Dieu de miracles. Le Dieu de la guérison. Le Dieu de la résurrection. Reçois la gloire et la louange. Nous te bénissons ce soir. Nous t'adorons ce soir. Nous reconnaissons, oh, que tu es le bon berger, le véritable berger, celui qui prend soin de ses brebis. Nous te bénissons, oh Dieu, car nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Tu as dit, Seigneur, le bon berger
Le bon berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Oh, tu l'as prouvé. Tu as donné ta vie, Seigneur. Tu as donné ta vie pour le monde. Tu as donné ta vie, Seigneur, oh Dieu, pour les hommes. Tu as donné ta vie pour nous. Nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions parce que tu es le bon berger. Tu es le bon berger. Tu es le bon berger. Tu as dit, oh, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Merci, Seigneur, parce que tu nous as fait entendre ta voix. C'est pour cela que nous sommes ici. Merci, Seigneur, car tu nous connais. C'est pour cela que nous sommes ici devant ton trône. Merci, Seigneur, car tu nous parles et tu veux que nous puissions entendre ta voix. Nous te bénissons, te louons. Reçois la gloire et la louange dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, tendre Père. Reçois l'adoration de nos cœurs, reçois les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches, les sentiments de nos cœurs. Oh, nous te bénissons, nous te magnifions, nous t'exaltons dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Bien-aimé, si l'Éternel est ton berger, alors il doit te diriger. Il doit d'abord te reposer et ensuite te diriger. Nous voulons encore demander pardon. Demander pardon au Seigneur pour chaque fois qu'il a voulu nous diriger, mais nous n'avons pas écouté. Demander pardon au Seigneur pour chaque fois que le Saint-Esprit nous a avertis sur des choses, mais nous n'avons pas écouté. Pour chaque fois que l'Esprit nous a parlé, parce qu'en fait, le Saint-Esprit nous parle tellement tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais nous ne prenons point garde, nous ne faisons pas attention. C'est pour cela que nous voulons demander pardon au Seigneur. Nous voulons nous repentir, nous voulons demander pardon pour chaque fois que le Seigneur a voulu que nous puissions nous comporter comme des brebis, mais nous n'avons pas été des brebis. Nous avons fait comme on voulait. Nous avons été des rebelles. Nous n'avons pas écouté sa parole. Nous avons péché. Nous voulons demander pardon. Demande pardon, Seigneur. Réponds-toi ce soir. Demande pardon pour chaque fois que tu n'as pas été cette brebis qui a écouté sa voix. Demande pardon pour chaque fois que tu n'as pas été cette brebis qui s'est assise afin d'attendre les instructions du Seigneur. Tu vas demander pardon pour chaque fois que le Seigneur t'a donné une instruction, mais tu n'as pas obéi. Tu as manqué d'obéissance. Tu as manqué de consécration. À chaque fois que nous péchons, bien-aimés, nous manquons d'obéissance parce que le péché, c'est la voie du diable. Quand nous péchons et que nous exécutons, nous pratiquons, nous marchons dans le péché, ça veut dire que nous avons obéi à la voie du diable. En même temps, la voie de l'esprit aussi était là. C'est pour cela que nous voulons demander pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon. Oui, demande pardon parce que la brebis entend la voix. Il a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Bien-aimés, à chaque fois que nous avons péché, c'est parce que nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur, mais nous avons écouté la voix de l'adversaire et nous avons suivi les voix de l'adversaire. Nous voulons demander pardon. Priez avec moi au nom de Jésus. La Bible déclare, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors que nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Tu vas demander pardon. Seigneur, nous venons encore devant le trône de ta grâce. Ô grand roi, ô véritable berger, ô bon berger, je viens devant toi te demander pardon. Je viens te demander pardon, Seigneur, pour mes péchés. Te demander pardon, Seigneur, ce soir, pour chaque fois que tu m'as parlé, mais je n'ai pas écouté. Nous venons te demander pardon, Seigneur, pour chaque fois que tu nous as parlé, parce que nous sommes tes brebis, mais nous n'avons pas écouté. Pour chaque fois que, Seigneur, tu voulais que nous puissions nous asseoir pour entendre, mais nous étions toujours dans la distraction et nous étions agités comme des loups. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous le manque d'écoute. Pardonne-nous, Seigneur, notre manque de patience. À cause du manque de patience, Seigneur, il nous est arrivé de donner naissance à Ismaël. C'est parce que Sarah n'avait pas la patience qu'elle a poussé Abraham à aller donner naissance à Ismaël. Nous te demandons pardon. Nous reconnaissons ce soir que l'impatience donne naissance à des Ismaël. L'impatience donne naissance à des problèmes. L'impatience donne naissance à des guerres inutiles. L'impatience donne naissance à beaucoup de mauvaises choses dans nos vies. Nous te demandons pardon. Alors que tu veux que nous soyons ces brebis qui s'assoient, qui entendent ta voix et qui suivent tes instructions, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-nous, Seigneur, pour chaque fois que nous étions entre deux voix. Une voix venait de toi, mais une voix venait de l'adversaire. Au lieu d'écouter ta voix, nous avons écouté la voix de l'ennemi. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Oh, il est arrivé plusieurs fois où on se retrouve, on a deux instructions. Une instruction venant du Saint-Esprit,
une instruction venant du diable. Mais nous n'avons pas écouté l'instruction de l'esprit. Nous sommes partis dans celle du diable. Nous te demandons pardon. Il est écrit dans ta parole, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Seigneur, pardonne-nous chaque fois que nous avons manifesté des folies. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Oh, tu as dit que tu châties ceux que tu aimes. Oui, c'est pour cela que je dis, Seigneur. Oui, Seigneur, châtie-moi là où il faut me châtier. Parce que, Seigneur, je dois être sur ton chemin. Oui, je te demande pardon et j'accepte ta correction. J'accepte ton instruction. Parce que la brebis est celle qui accepte la correction. La brebis est celle qui accepte l'instruction. La brebis est celle qui accepte la direction qu'on lui donne. C'est pour cela que je dis, Seigneur, conduis, 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 conduis et pardonne. Pardonne, Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ta miséricorde dans nos vies. Ta miséricorde, Seigneur, dans nos maisons. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde dans nos vies, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ta miséricorde, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas demander au Saint-Esprit. Alléluia. Oh, c'est le Saint-Esprit qui te dirige. C'est par le Saint-Esprit que tu es dirigé. Parce que Jésus a dit, quand lui va venir, il vous conduira dans toute la vérité. Alors c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans les verts pâturages. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige près des eaux paisibles. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous fait reposer. Alléluia. C'est pour cela que tu vas demander au Saint-Esprit. Oh, très cher Saint-Esprit, ce soir, alléluia. Ce soir, très cher Saint-Esprit, je t'en supplie, aiguise mon oreille à entendre ta voix. Aiguise mon oreille. Alléluia. Fais-moi entendre ta voix comme entendent des disciples. Saint-Esprit, ce soir, aiguise mon oreille, qu'à partir d'aujourd'hui, mon écoute soit aiguisée, mon écoute spirituelle soit aiguisée, que je sois capable de discerner ta voix, que je sois capable de faire la différence entre la voix de l'ennemi et la voix qui vient de toi. Donne-moi cette grâce, accorde-moi la grâce d'avoir le discernement, accorde-moi la grâce d'user du discernement et que je puisse faire le bon choix, que je puisse faire le bon choix. Demande au Saint-Esprit de te donner le discernement parce que la brebis est celle qui entend la voix du maître. La brebis est celle qui entend la voix de son maître. La brebis est celle qui entend la voix de son maître. Demande au Saint-Esprit de t'accorder la grâce. Que 2022 soit l'année où tu vas entendre. Que ton écoute soit aiguisée. Que ton oreille soit aiguisée. Et que tu puisses entendre, que tu puisses entendre comme entendent les disciples. Oui, Esaïe a dit, fais-moi entendre comme entendent les disciples. Que le Saint-Esprit travaille ton écoute. Que tu ne te trompes plus. Que tu ne te trompes plus. Qu'aucun homme ne vienne te tromper, qu'aucune femme ne vienne te tromper, qu'aucun patron ne vienne te tromper, qu'aucune amie ne vienne te tromper pour t'emmener dans des chemins qui ne sont pas de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, que tu entendes la voix de Dieu, que le diable ne vienne pas ramener la confusion dans ta vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, aiguise mon écoute, aiguise mon oreille, aiguise mon entendement, que j'entende l'instruction comme entendent les disciples, que j'écoute comme écoutent les disciples, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, je t'en prie, Saint-Esprit, je t'en prie, fais-moi entendre ta voix, fais-moi entendre ta voix, apprends-moi à entendre ta voix, dans le nom de Jésus, aide-moi, parle à mon cœur, apprends-moi à écouter ta voix, afin que je sois capable d'approuver ou de désapprouver, afin que je sois capable de dire oui ou de dire non, afin que je sois capable d'accepter ou de refuser, afin que je sois capable de faire les bons choix, parce que mon repos passe par le discernement. Je t'en supplie, Saint-Esprit, donne-moi la capacité d'entendre. Quand un serpent viendra devant moi, que je sois capable de discerner. Quand un sorcier viendra devant moi, que je sois capable de discerner. Quand quelqu'un me demandera en mariage, que je sois capable de discerner si c'est la bonne personne ou si c'est la mauvaise personne. Quand quelqu'un voudra être ami avec moi, que je sois capable de discerner si la personne vient de toi ou si la personne vient de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Que tout celui qui viendra, qui s'approchera de moi pour une mission maléfique, que je puisse le démasquer parce que j'entends ta voix. Saint-Esprit, débouche mes oreilles. Demande à ce que le Saint-Esprit débouche tes oreilles, débouche mes oreilles afin que j'entende ta voix. Oh, je reconnais
qu'à chaque fois que je n'ai pas entendu ta voix, c'était catastrophique. À chaque fois que je n'ai pas entendu ta voix, je ne faisais que pleurer. À chaque fois que je n'ai pas entendu ta voix, j'ai regretté. À chaque fois que j'ai fait les mauvais choix, à chaque fois, il y avait quelque chose de mauvais qui arrivait. À chaque fois que je me suis trompée, j'en ai pris des conséquences. C'est pour cela, Saint-Esprit, je t'en supplie. Je refuse de tomber encore dans les conséquences. Je refuse de tomber dans les regrets. Je refuse de tomber dans les regrets. Je refuse d'avoir que mes yeux pour pleurer. Je refuse de dire si je savais. Je refuse de me retrouver sur le chemin de si je savais. Je veux être sur le chemin de la paix, le chemin de ta voix, le chemin de la réussite, le chemin du succès. Je t'en supplie. Je veux entendre ta voix. Saint-Esprit, je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Fais-moi entendre ta voix. Aiguise mon entendement. Aiguise mes oreilles. Que je puisse savoir quand est-ce que tu me parles et quand tu ne me parles pas. Aide-moi à comprendre quand est-ce que toi tu me parles et quand est-ce qu'un autre esprit me parle. Aide-moi à comprendre. Donne-moi ce discernement. Oh, je comprends que dans ces temps où nous sommes, le discernement est important. Le discernement est nécessaire. Le discernement est la chose la plus importante parce que le diable se déguise en ange de lumière. C'est pour cela, Saint-Esprit, je t'en supplie, accorde-moi la grâce d'entendre ta voix. Que 2022 soit l'année où je veux vraiment entendre ta voix afin que je sache éduquer mes enfants, afin que je sache aimer mon époux, afin que je sache préserver mon mariage, afin que je sache faire les bons choix, afin que je sache gérer mes finances, afin que je sache gérer mes relations, afin que je puisse réussir ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, oh, aiguise mes oreilles. Oh, Saint-Esprit, aiguise mon entendement. Aiguise mon entendement. Oh, Saint-Esprit, je t'en supplie, aide-moi à entendre ta voix. Des fois, j'ai tellement fait des mauvais choix qu'après, j'ai commencé à pleurer, qu'après, j'ai commencé à regretter. Si j'avais entendu ta voix, et pourtant, j'entendais quand même une petite voix qui me parlait. Saint-Esprit, aide-moi à discerner ta voix, même si elle est infime, même si elle est toute petite, même si elle est insignifiante. Mais accorde-moi cette grâce d'entendre ta voix aussi insignifiante qu'elle peut être. Même si la voix du diable vient dans le tonnerre, même si la voix du diable vient dans la tempête, même si la voix du diable vient dans le vent, même si la voix du diable vient dans un bruit, que je puisse entendre la voix de l'Esprit aussi infime qu'elle puisse être, dans le nom de Jésus. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce de discerner, d'avoir le discernement. C'est pour cela que je prie pour la tour de prière semaine. Commence à déboucher les oreilles. Saint-Esprit, débouche les oreilles. Débouche les oreilles. Débouche les oreilles. Quand tu débouches les oreilles, on saura discerner les bonnes personnes, les mauvaises personnes. On saura discerner les bons choix. On saura discerner ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Oh, débouche les oreilles de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, des fois le miracle est juste à côté. Des fois mon miracle est juste à côté de moi. Il suffit que j'entende tout simplement ton instruction. Mais si je n'entends pas ton instruction, comment je vais rentrer dans mon miracle? Des fois le miracle est juste à côté. Dans le mariage de Cana, quand il n'y avait plus de vin, le miracle était là. Le miracle était caché dans l'eau qui restait dans les vases. Tu as dit, Seigneur, remplissez d'eau ces vases. Il suffisait de remplir d'eau ces vases. Par la foi, ces vases, cette eau était devenue du vin. Cette eau était devenue du vin. Il fallait qu'ils écoutent ton instruction. Le miracle était là. Les objets du miracle étaient là. Les vases étaient là. L'eau, ils en avaient à leur possession. Mais il fallait l'instruction de ta voix, l'instruction de ta parole, parce que ta parole donne le miracle. C'est pour cela, Seigneur, que le centenaire a dit, Maître, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Seigneur, nous avons besoin de ce mot. J'ai besoin de cette parole. J'ai besoin de ce mot pour me ramener mon miracle. J'ai besoin de cette instruction, mais Seigneur, que j'entende ta voix. Si je n'entends pas ta voix, si je n'entends pas ta voix, comment est-ce que ma maison sera guérie? Si je n'entends pas ta voix, comment est-ce que je vais marcher dans la victoire? Si je n'entends pas ta voix, comment est-ce que Christ va être formé en moi? Si je n'entends pas ta voix, comment est-ce que je vais vivre, oui, ta gloire? Saint-Esprit, ouvre les oreilles. Oh, je prie pour toi, que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles au nom de Jésus et que tes oreilles s'ouvrent ce soir. Dans le nom de Jésus, que tes oreilles soient débouchées ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare maintenant, au nom de Jésus, que tes oreilles qui étaient bouchées soient débouchées ce soir dans le nom de Jésus. Parce que tu es une brebis, dans le nom de Jésus, je déclare maintenant que tes oreilles soient débouchées et que ton entendement soit activé au nom de Jésus. Que ton entendement spirituel soit activé au nom de Jésus. Que ton ouïe spirituelle soit activée au nom de Jésus.
nom de Jésus, que tu puisses entendre, que tu n'entendes pas seulement avec des oreilles naturelles, mais que tu entendes aussi avec les oreilles spirituelles, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, David a dit, il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Oh, tu vas prier, tu vas dire, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père, en cette année 2022 qui commence, en cette année 2022 qui commence, dirige-moi, dirige ma vie, dirige mes pensées, dirige-moi près des eaux paisibles, dirige-moi, que je ne me retrouve pas dans les eaux amères, que je ne me retrouve pas dans les eaux du regret, que je ne me retrouve pas dans les eaux empoisonnées, que je ne me retrouve pas dans les mauvaises eaux, mais dirige-moi près des eaux paisibles, dirige-moi près des eaux paisibles, là où il y a la bénédiction, là où il y a la grâce, là où il y a la faveur. Commence à demander la direction divine, commence à demander la direction divine, demande à ton Père, mon Père, dirige-moi en cette année 2022, alors que je cherche mon repos. Oui Seigneur, dirige-moi près des eaux paisibles, dirige-moi, conduis ma vie, ne me laisse pas conduire ma vie moi-même, dirige-moi. Dirige-moi, dirige-moi par le Saint-Esprit. Je veux être dirigé par toi. Je veux être dirigé par toi. Que mes pieds soient dirigés par toi. Oh, que mes yeux soient dirigés par toi. Que mes oreilles soient dirigées par toi. Que mes mains soient dirigées par toi. Que mes gestes soient dirigés par toi. Que mes pensées soient dirigées par toi. Que ce que je suis soit dirigé par toi. Dans le nom puissant de Jésus, dirige ma vie, dirige ma destinée, dirige ma maison. Dirige-moi, Seigneur. Dirige-moi parce que tu es mon Dieu. Ne me laisse pas. Dirige-moi. Oh, dirige-moi. Car je désire le repos. Dirige-moi, dirige-moi, dirige-moi vers la terre du repos. Dirige-moi vers la terre du bien-être. Dirige-moi vers la terre de la bénédiction. Dirige-moi, Seigneur, dirige-moi. Je refuse de me diriger moi-même. Dirige-moi près des eaux paisibles. Dirige-moi près des eaux paisibles. Oh, que ta paix vienne dans ma maison. Que ta paix vienne dans ma santé. Que ta paix vienne dans mon travail. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dirige-moi, dirige-moi. Dirige-moi, dirige-moi. Alléluia. Dirige-moi, dirige-moi dans le nom de Jésus. Alléluia. Il dit encore, il dit ceci. Alléluia. Il restaure mon âme. Au verset 3. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Alors tu vas dire mon père trois fois. Mon père, mon père, mon père. Alléluia, je vais recommencer. Mon Père, mon Père, mon Père, restaure mon âme. Là où mon âme a été brisée, là où mon âme a été cassée, là où mon âme a été blessée, là où mon âme est malade, là où mon âme a été touchée, là où on m'a planté un couteau, je t'en supplie, restaure mon âme. Selon ta parole, selon ce qui est écrit dans le psaume 23, que c'est toi qui restaure mon âme. Restaure mon âme, mon Père. Restaure-moi et fais-moi rentrer dans ton repos. Restaure mon âme. Restaure mes pensées. Restaure mon âme, restaure ma volonté, restaure-moi Seigneur, oh restaure ma conscience, restaure-moi, restaure au nom de Jésus. Demande la restauration de Dieu, la restauration de ton âme, que ton Père te restaure, qu'il puisse restaurer ton âme dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'il restaure ton âme dans le nom puissant de Jésus-Christ. Restaure mon âme, mon Père, restaure mon âme, mon Père, restaure mon âme, mon Père, restaure-moi, 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 restaure mon âme, restaure mon âme, restaure mon âme. Oh, j'ai besoin de ta restauration. J'ai besoin de ta restauration. J'ai besoin de ta restauration. Restaure mon âme, Seigneur. Là où j'ai été brisé, là où j'ai été blessé, là où j'ai été humilié, là où les circonstances de la vie ont laissé des blessures dans mon âme, là où, Seigneur, oh Dieu, les moqueries de la vie ont laissé des blessures dans mon âme, là où les humiliations de la vie ont laissé des blessures dans mon âme, là où, Seigneur, les choses de mon enfance ont laissé des blessures dans mon âme, là où, Seigneur, les rejets de mon enfance ont laissé des blessures dans mon âme. Je t'en supplie, restaure mon âme. Selon ta parole, restaure mon âme. Je t'en prie, restaure mon âme. Là où ma volonté a été altérée, là où mes choix ont été altérés, là où, Seigneur, oh Dieu, les choses que je peux faire facilement, je n'arrive plus à les faire parce que mon âme a été blessée. Là où, Seigneur, je me sens rejeté. Là où, Seigneur, je n'ai plus confiance aux gens qui sont à côté de moi ou qui m'entourent. Là où, Seigneur, je me méfie de tout le monde. À
cause des choses passées, à cause du vécu, je t'en supplie, restaure mon âme, restaure mon âme, restaure mon âme, restaure-moi, Seigneur, restaure-moi, restaure mon âme, restaure l'âme de mes pensées, restaure l'âme de ma maison, restaure l'âme de ma destinée, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que 2022 soit l'année de mon repos, que je sois restauré, restauré dans mon âme, de tous côtés, là où j'avais peur, que la peur puisse me quitter, là où j'étais angoissé, que les angoisses puissent me quitter, là où il y avait les phobies, que les phobies me quittent au nom puissant de Jésus, là où Seigneur, oh Dieu, j'étais mal psychologiquement, oh que les troubles psychologiques me quittent au nom puissant de Jésus, là où Seigneur, j'avais Seigneur des problèmes psychologiques, que cela quitte ma vie au nom de Jésus, là où j'avais des maladies psychosomatiques parce que mon âme était blessée, que cela me quitte au nom de Jésus et que je rentre dans mon repos, que je rentre dans mon repos, que je rentre dans mon repos, que les phobies me quittent, que la peur me quitte, que l'anxiété me quitte, que la dépression me quitte, au nom puissant de Jésus, guéris mon âme, restaure mon âme, restaure mon âme, et que la dépression quitte ma vie à jamais, au nom puissant de Jésus, je n'ai pas été créée pour être dépressive, j'ai été créée pour te louer, je n'ai pas été créée pour être anxieuse, j'ai été créée pour te célébrer, je n'ai pas été créée pour avoir la peur, j'ai été créée pour être Seigneur dans la quiétude et dans l'assurance, je n'ai pas été créée Seigneur pour vivre une vie de torture intérieure, j'ai été créée pour être épanouie, spirituellement, financièrement, matériellement, mentalement au nom de Jésus. Alors je te prie Seigneur, restaure mon âme, restaure l'âme de mon mariage où le feu n'est plus, l'âme de mon mariage où plus rien ne va, l'âme de mon mariage où les choses ne marchent pas, l'âme de mon mariage où les choses ne vont plus, où les choses ne sont que conflits, là où il n'y a que des conflits, que des disputes, que des désaccords. Oh je t'en supplie, l'âme de mon mariage, là où j'étais unie avec ma femme, là où j'étais unie avec mon mari, mais cette âme a été brisée, restaure l'âme de mon mariage, dans le nom puissant de Jésus, restaure l'âme de mon mariage, dans le nom puissant de Jésus, restaure l'âme de ma maison, dans le nom puissant de Jésus, restaure l'âme de ma famille, dans le nom puissant de Jésus, restaure-moi Seigneur, restaure-moi Seigneur, restaure-moi Seigneur, restaure-moi Seigneur, restaure-moi Seigneur, restaure-moi Seigneur, dans le nom de Jésus, oh je t'en prie mon Père, je t'en prie ce soir que tu puisses restaurer, restaure l'âme de ma maison, l'âme de ma maison, là où il y avait une atmosphère de joie, là où l'atmosphère était une atmosphère de joie, une atmosphère de gaieté, une atmosphère de quiétude, une atmosphère d'harmonie avec mes enfants. Seigneur, mais le diable a ramené l'épée de division. L'âme de ma maison a été blessée, l'âme de ma maison a été brisée, l'âme de ma maison a été terrassée à cause de l'attaque du diable. Je t'en supplie, guéris, restaure l'âme de ma maison, et que l'âme, l'atmosphère de la joie qui était dans ma maison revienne, et que l'atmosphère de l'unité qui était dans ma maison revienne, et que là où il se faisait beau vivre, que cela puisse revenir dans le nom puissant de Jésus, là où l'atmosphère était une atmosphère de paix, une atmosphère de quiétude, d'une famille épanouie, d'épanouissement, que cela revienne au nom de Jésus. Commence à restaurer, restaure l'âme de ma maison, là où mon fils est devenu voyou, là où ma fille est devenue rebelle, là où Seigneur mon mari ne veut même plus me voir, là où Seigneur la maison est devenue une désolation, commence à restaurer, restaure l'âme de ma maison, restaure l'âme de ma maison, restaure l'âme de ma famille, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, oh commence à restaurer, commence à restaurer, commence à restaurer, là où mes enfants étaient à côté de moi, là où mes enfants m'entouraient, là où j'étais leur exemple, mais aujourd'hui je ne suis plus leur exemple, Seigneur restaure l'âme de ma maison, restaure l'âme de ma maison, restaure l'âme de ma maison, je t'en supplie, l'âme de mon foyer, l'âme de ma famille, dans le nom de Jésus, je t'en supplie, commence à restaurer, selon qu'il est écrit dans ta parole, il restaure mon âme, c'est toi qui es le restaurateur parfait, les psychologues ne peuvent pas restaurer, le médecin ne peut pas restaurer l'âme, le médecin ne peut pas restaurer l'âme, les livres que je peux lire ne peuvent pas restaurer l'âme, mais ta parole restaure mon âme, ta parole restaure mon âme, oh je te prie que tu puisses restaurer mon âme, que tu puisse restaurer mon âme. Je peux faire toutes les thérapies du monde. Je peux faire le yoga. Je peux faire toutes sortes de thérapies. Je peux faire la sophrologie. Je peux faire tout ce que je peux faire. Mais Seigneur, c'est toi qui restaure l'âme. Parce que tu en es le créateur. Tu en es le formateur. C'est toi qui as créé cette âme et tu en connais le secret. L'homme ne fait que tâtonner. Mais toi, tu connais le secret de mon âme. C'est pour cela que je te prie de restaurer mon âme. De restaurer mon âme, de restaurer mes pensées, de restaurer ma vie dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Il dit au verset 4, psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Alors tu vas dire à ton Dieu encore, alléluia, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, ne m'abandonne pas, marche avec moi, quelles que soient les vallées qui se dresseront devant moi en 2022, marche avec moi, alléluia, quelles que soient les vallées qui se dresseront devant moi en 2022, marche avec moi et que rien de mal ne m'arrive, qu'aucun mal ne m'arrive parce que tu es avec moi. Demande au Père de marcher avec toi. Demande au Seigneur de marcher avec toi. Demande au Seigneur de marcher avec toi. Il a dit ceci. Alléluia. Il a dit ceci. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alors commence à dire, mon Père, mon Seigneur, quelles que soient les vallées qui vont se dresser devant moi en 2022, Seigneur, marche avec moi. Marche avec moi. Sois devant moi. Soit à ma gauche, soit à ma droite, soit derrière moi. Marche avec moi afin que je sois dans ton repos. Marche avec moi afin que je ne puisse rien craindre. Marche avec moi afin que je sois dans la sécurité. Marche avec ma maison afin que nous soyons en sécurité. Car entre tes mains, nous sommes en sécurité. Te savoir devant, Seigneur, nous donne une assurance. Quand nous savons que tu es devant nous et que tu marches devant nous, nous avons l'assurance. Quand nous savons que tu marches devant nous, Seigneur, nous avons l'assurance. Nous sommes rassurés. Nous sommes assurés. Nous avons la garantie. C'est pour cela, Seigneur, je te prie, marche toi-même devant moi. Oh, je pourrais dire comme David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Seigneur, je t'en supplie, en cette année, marche avec moi. Marche avec moi. Quelles que soient les vallées qui vont se dresser devant moi, quelles que soient les vallées qui vont se dresser devant ma destinée, quels que soient les défis qui se dresseront devant moi, Seigneur, ma quiétude, ma paix, ma tranquillité est que tu marches avec moi. C'est pour cela que je dis marche avec moi, marche devant moi, marche à côté de moi, marche derrière moi. Je ne veux pas aller là où toi tu n'es pas. Marche avec moi, Seigneur, marche avec moi. Oui, parce que être avec toi me garantit le repos en 2022. Être avec toi me garantit la bénédiction. Être avec toi me garantit la protection dans le nom de Jésus. Être avec toi, Seigneur, me garantit la sécurité totale. Être avec toi me garantit la victoire dans le nom de Jésus. Être avec toi me garantit la victoire. C'est pour cela que je dis, Seigneur, marche avec moi. Marche avec moi, Seigneur. Marche toi-même avec moi. Sois devant moi, Seigneur. Sois devant moi. Car quand on te sait devant, Seigneur, cela nous rassure. Quand on sait que tu es devant nous et que tu es en train de marcher, nous sommes rassurés. Nous pouvons dormir tranquille. Nous pouvons être tranquilles parce que nous savons que tu es là. Même si la barque est secouée, même si le vent est là, mais parce que tu es là, nous sommes dans l'inquiétude parce que tu es dans la barque, parce que tu es là avec nous. Seigneur, marche avec nous. Marche avec moi, marche avec mes enfants, marche avec, Seigneur, mes enfants, parce que je ne peux pas contrôler là où mes enfants vont. Je ne peux pas savoir, je n'ai pas la capacité d'être ici et en même temps là-bas. Il n'y a que toi qui as la capacité d'être omniprésent. Je te prie par le Saint-Esprit que tu marches avec mes enfants. Partout ils vont être, Seigneur, que tes yeux soient sur eux. Car tu as dit dans ta parole, au travers de David, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni son fils mendier son pain. Seigneur, tu es fidèle jusqu'à la millième génération. Alors je te prie, Seigneur, que tes yeux soient sur mes enfants, que tes yeux soient sur mes enfants. Partout où ils seront, marche avec eux, marche avec eux, marche avec eux, marche avec eux dans le nom de Jésus. Marche avec eux. Seigneur, là où je peux échouer, là où j'ai échoué dans l'éducation de mes enfants, Seigneur, toi, tu n'échoueras jamais, car tu ne connais pas le mot échouer. Tu ne connais pas le mot échouer. Le mot échouer n'est pas dans ton dictionnaire. Tu es un gagnant. Tu ne fais que gagner. Tout ce que tu fais réussit. Alors, je t'en supplie, marche avec eux. Marche avec eux dans le nom de Jésus. Marche avec moi. Marche avec moi. Et que toute vallée qui pourrait se dresser devant moi, en 2022, soit détruit au nom puissant de Jésus. Soit comblé, toute vallée, que ce soit la vallée de la mort, la vallée de la maladie, la vallée des problèmes, la vallée de la confusion, la vallée des attaques sataniques et démoniaques. Oh Seigneur, que tu marches avec moi, afin que je sois dans l'assurance, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal. Oh, marche avec moi. Marche avec moi. Marche avec moi, Seigneur. Marche avec moi. Tu vas encore dire avec moi. Il dit ceci. En fait, David dit ceci. Au verset, toujours verset 4, partie C. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le berger a avec lui deux instruments. Il a la houlette et il a le bâton.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. En fait, bien-aimé, la houlette est là, bien-aimé, pour faire revenir le troupeau qui s'écarte. C'est-à-dire, la houlette est là pour que le berger puisse l'utiliser. S'il y a un brebis ou un troupeau de brebis qui veut s'écarter, il utilise la houlette pour que les brebis reviennent sur le droit chemin. Tu as besoin de la houlette et du bâton. La houlette et le bâton me rassurent. Quand tu veux t'écarter, il utilise la houlette pour que tu reviennes sur le droit chemin. Il utilise le bâton pour te diriger, pour te montrer le chemin. Alléluia. Oh, la houlette et le bâton. Alors, tu vas dire avec moi, « Oh Seigneur, je t'en supplie, en 2022, que ta houlette et ton bâton me conduisent et me rassurent. » Amen. Tu rajoutes « me conduisent et me rassurent. » Que ta houlette et ton bâton me conduisent et me rassurent. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ta houlette et ton bâton me rassurent. Que ton houlette et ton bâton me rassurent. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, la houlette a été faite pour que le berger puisse s'occuper de ses brebis. Avec la houlette, il l'utilise pour ramener la brebis qui se gare ou le troupeau de brebis qui se gare, qui s'égare sur le droit chemin. Quand il conduit ses troupeaux, dès qu'il y en a qui veulent s'écarter, il prend la houlette pour les ramener. Que la houlette de l'Éternel te préserve, alléluia, de l'égarement au nom de Jésus. Que la houlette de l'Éternel te préserve au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Le berger utilise cela pour que la brebis ne puisse pas s'écarter, pour que la brebis ne puisse pas disparaître ou s'égarer. Oui, c'est pour cela que tu as besoin de cette houlette, la houlette et le bâton, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, je t'en supplie, en 2022, que ta houlette et ton bâton, oui, Seigneur, me dirige et me rassure, dans le nom de Jésus, que je ne m'écarte pas. Seigneur, que par ta houlette, que tu ne permettes pas que je puisse m'écarter du droit chemin, que je ne m'écarte pas de la lumière de l'évangile, que je ne m'écarte pas, que je ne puisse pas m'écarter, mais que je sois sur le bon chemin, que je sois sur le droit chemin, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oui, c'est par la houlette que le berger saisit une bête, saisit l'animal pour le ramener. Seigneur, si je m'écarte, saisis-moi par ta houlette et ramène-moi sur le droit chemin. Que ta houlette et ton bâton me rassurent dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et que ma marche soit facilitée et que je puisse arriver à destination et que je puisse jouir du repos dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que ta houlette et ton bâton me rassurent, que ta houlette et ton bâton me rassurent. Verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu vas dire, oh Seigneur, oh je t'en supplie, qu'en 2022, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, devant chaque combat, devant chaque difficulté, devant chaque attaque que je pourrais subir, que tu puisses dresser devant moi une table, que tu puisses dresser devant mes adversaires une table, au nom puissant de Jésus. Il a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire, Dieu va te servir en face de tes adversaires. Dieu va te visiter en face de tes adversaires. C'est pour cela, ne prie pas pour que tes adversaires puissent mourir. Ne prie pas pour que tes adversaires puissent tomber, mais prie pour qu'ils soient en vie afin qu'ils voient comment Dieu va te servir, comment Dieu va te bénir, comment Dieu va changer ta vie, comment Dieu va changer les choses dans ta vie. Commence à prier dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, je t'en prie, mon Père. Je t'en prie, mon Père. Oh, mon Seigneur. Oh, dresse devant moi une table. En 2022, devant chaque difficulté, devant chaque problème, devant chaque situation compliquée, devant chaque combat, devant chaque attaque que je pourrais subir de la part de l'ennemi, que tu puisses dresser une table, que tu puisses dresser devant moi une table en face de mes adversaires, devant chaque combat que je puisse avoir une table, devant chaque attaque que je puisse avoir une table. C'est pour cela que je déclare sur toi, en 2022, devant chaque attaque, tu vas recevoir une table. Alléluia. Devant chaque attaque, Dieu va dresser devant toi une table
en face de tes adversaires. C'est-à-dire, ils te verront manger, ils te verront être béni, ils te verront vivre la restauration dans le nom puissant de Jésus. Dieu mettra une table en face de tes adversaires. Il va te servir en face de tes adversaires. C'est pour cela que tu ne donneras pas le dos à tes adversaires, mais tu vas les affronter dans le nom puissant de Jésus. Tu vas affronter les situations dans la prière, dans le jeûne, par la foi. Tu vas résister au diable avec une foi ferme et il fuira loin de toi. Tu vas les affronter. Tu n'auras pas peur. Tu vas les affronter. Ça sera opération affrontement. Opération affrontement. Tu auras une table devant toi. Dieu mettra une table en face de toi, en face de tes adversaires. Dieu mettra une table devant toi, en face de tes adversaires. L'opération affrontement. Dans le monde spirituel, il y a des choses qu'il faut affronter. Il y a des situations qu'il faut affronter. On ne fuit pas tout. Alléluia. C'est-à-dire, tu ne fuis pas, mais tu es en face d'eux. Tu les affrontes face à face. Tu les affrontes face à face. Et l'Éternel te donne la victoire parce que c'est lui qui dresse une table. Et la table qu'il dressera devant toi, c'est la table de la victoire. 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 Alléluia. La table de la victoire. Il dressera devant toi une table. Une table qui va marquer ta victoire. Qui va marquer ta victoire. Qui va marquer ta bénédiction. Qui va marquer la honte de tes adversaires. Qui va marquer la victoire dans ta vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans l'opération affrontement, toi tu es vainqueur, dans l'opération affrontement, toi tu es vainqueur, dans l'opération affrontement, toi tu es vainqueur, tu ne tourneras pas le dos à tes adversaires, mais c'est tes adversaires qui tourneront le dos pour fuir, car la Bible déclare, ils viendront contre toi par un seul chemin, mais le Saint-Esprit va les disperser par sept chemins, c'est eux qui vont te tourner le dos, c'est eux qui vont disparaître, toi tu seras là en face et tu regarderas. Il dit, de tes yeux seulement, tu vois la rétribution des méchants. De tes yeux seulement, tu vois la rétribution des méchants. Tu ne bougeras pas, tu ne leur donneras pas le dos, mais c'est eux qui vont te donner le dos. C'est pour cela que je déclare, tout adversaire qui viendra contre toi te tournera le dos au nom de Jésus. Parce qu'il va fuir, il va fuir. Ils viendront par un seul chemin, ils seront dispersés par sept chemins. Dans le nom puissant de Jésus, dans l'opération affrontement, toi tu es victorieuse. Dans l'opération affrontement, toi tu es gagnant. Dans l'opération affrontement, tu as la victoire. Toi, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, opération affrontement. Opération affrontement. Quand je marche, plutôt, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Opération affrontement. Tu as la victoire. Dans l'opération affrontement, tu as la victoire. Dans le nom de Jésus. Tout esprit qui viendra pour t'affronter va connaître une défaite lamentable au nom puissant de Jésus. Je le déclare. Tout esprit qui viendra pour t'affronter, quand t'affronte physiquement, quand t'affronte spirituellement, quand t'affronte de n'importe quelle manière, tout esprit, tout pouvoir des ténèbres, toute personne physique qui t'affrontera connaîtra une défaite lamentablement lamentable au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il dit toujours, verset 5, partie B. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête. C'est en face de tes adversaires que Dieu va oindre ta tête. En face de tes adversaires, Dieu va oindre d'huile ta tête. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est pour cela que tu vas dire, mon père, oins d'huile ma tête et que ma coupe déborde en 2022. Mon père, oins d'huile ma tête et que ma coupe déborde en 2022 dans le nom de Jésus. Mon père, oins d'huile ma tête et que ma coupe déborde en 2022. Commence à déclarer. Déclare cela au nom de Jésus. Mon père, oh, oins d'huile ma tête et qu'en 2022, ma coupe déborde dans le nom de Jésus. Que mon onction déborde, que ma bénédiction déborde, que ma grâce déborde, que les miracles débordent dans ma vie. Au nom de Jésus, oins d'huile ma tête et que ma coupe déborde dans le nom de Jésus. Oins d'huile ma tête, mon père, et que ma coupe déborde. Que je puisse réussir, que je puisse avoir du succès, que je puisse avancer, que je puisse avoir de l'argent, que je puisse avoir le mariage, que je puisse avoir les enfants, que je puisse vivre les miracles au nom de Jésus, que je puisse être consacré à 100% pour Jésus. Oui, que je puisse être consacré à 100%, que ma coupe déborde, oint d'huile ma tête et que ma coupe déborde, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh, 2022, Seigneur, oint d'huile ma tête et que ma coupe déborde. Oint d'huile ma tête, que l'huile coule sur ma tête et que ça se répande sur mon corps. Que ça déborde, que l'huile déborde sur moi et que ma coupe déborde au nom de Jésus. Oint d'huile ma tête et que la coupe de ma destinée puisse déborder d'huile. Que mon étoile puisse déborder d'huile. Que ma grâce puisse déborder d'huile et que les portes de la faveur s'ouvrent pour moi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Il dit au verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Alors, tu vas dire ce verset, tu vas le dire comme ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours en 2022. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. C'est une confession. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours en 2022. À la place de « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours », tu vas dire « Et j'habiterai dans la présence de Dieu jusqu'à la fin de mes jours ». Amen. « Et j'habiterai dans la présence de Dieu ». Je vais m'asseoir dans la présence de Dieu. Je dormirai dans la présence de Dieu. Je ronflerai dans la présence de Dieu. Je marcherai dans la présence de Dieu. Je mangerai dans la présence de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Quand je dors, que ça soit que je dors, ou que je m'assois, ou que je me lève, ou que je marche, je suis dans la présence de Dieu. Que je ronfle, je suis dans la présence de Dieu. Que je respire, je suis dans la présence de Dieu. Que je sois malade, je suis dans la présence de Dieu. Et je vais rester dans la présence de Dieu. J'habiterai dans la présence de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Commence à prier, déclarer cela. Au nom de Jésus, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, tous les jours de mon année 2022. Au nom puissant de Jésus, je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours en 2022 et j'habiterai dans la présence de l'Éternel, dans le nom de Jésus, jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la présence de l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus. Je respirerai dans la présence de l'Éternel. Je dormirai dans la présence de l'Éternel. Je m'assiérai dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, je marcherai dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je serai dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans le nom de Jésus, oui, tu vas habiter, tu vas t'asseoir dans la présence de ce Dieu. Tu seras dans la présence de ce Dieu. Tu vas dormir dans la présence de Dieu. Même dans ton sommeil, tu seras dans la présence de Dieu. Même si tu es en train de baver, tu seras dans la présence de Dieu. Même si tu es en train de ronfler, tu seras dans la présence de Dieu. Même si tu es en train de te doucher, tu seras dans la présence de Dieu jusqu'à la fin de tes jours. Dans le nom de Jésus, que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Que cela soit ton partage et que l'Éternel, le bon berger des brebis, le bon pasteur, puisse te conduire en 2022 et te donne la victoire et te donne le repos au-delà de tes espérances, dans le nom puissant de Jésus. Qu'il t'accorde une victoire là où même tu ne t'attends pas, au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu vienne dans ta vie et que la maladie te quitte au nom de Jésus. Que tu rentres en 2022 et que la maladie reste en 2021. Que tu rentres en 2022 et que cette douleur des articulations reste en 2021. Que ça soit un mauvais souvenir au nom de Jésus. Que tu reçoives la guérison totale dans le nom puissant de Jésus. Que tu rentres en 2022 et que ces problèmes financiers qui te suivent depuis 10 ans restent en 2021 au nom de Jésus. Que tu rentres en 2022 et que ces problèmes de découverte qui ne finissent jamais restent en 2021 au nom puissant de Jésus. Que tu puisses avoir du repos, que dans tes finances tu respires, que tu puisses avoir le repos, dans ta maison tu puisses recevoir le repos dans le nom puissant de Jésus. Que tu rentres en 2022 et que cet esprit de mari de nuit, de femme de nuit, tout esprit d'oppression, d'obsession qui poursuit ta vie soit détruit à jamais au nom puissant de Jésus. Que tu rentres dans ton repos dans le nom de Jésus, parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour l'exaucement? Nous pouvons aimer la vidéo, nous sommes arrivés à la fin. Tu peux aimer la vidéo en même temps que tu dis merci au Seigneur. Tu peux aussi faire une offrande, tu peux aussi partager. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour l'exaucement, parce qu'il est l'Éternel qui nous exauce. Alléluia. Seigneur, merci pour l'exaucement. Merci car toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Tu te plais à écouter la prière de tes enfants, les prières de tes enfants. Tu les prends comme un parfum de bonne odeur. Les anges prennent ces prières et les emmènent vers toi et les déversent comme des parfums devant toi. Seigneur, merci car tu réponds et tu as répondu à chaque personne, à chaque doléance, à chaque prière. Merci pour cette prière, Seigneur, qui a été faite de tout cœur. Et merci pour le Saint-Esprit. Je sens la joie de l'Esprit. Je sens le Saint-Esprit se réjouir de ce qui s'est passé ici, dans cette session de prière. Je te bénis, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Et merci de nous avoir aidés à prier. Merci d'avoir mis des paroles dans nos bouches. Merci d'avoir inspiré cette prière. Et merci, Saint-Esprit, parce que toi-même, tu as été l'instigateur, l'inspirateur de cette prière. Nous te bénissons. Merci Seigneur pour l'exaucement. Oh, que Dieu vous bénisse ce soir, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous visite en cette nuit et que Dieu bénisse Fanny. Fanny, sois bénie pour ton offrande. Que Dieu vous fasse du bien, qu'il vous visite et que le repos de Dieu, le repos du bon berger, amen, le repos du bon berger soit votre partage et que vous ne manquiez de rien. Rosine, sois bénie. Que vous ne manquiez de rien et que la grâce et le repos de Dieu soient votre partage.
Et je vous souhaite donc une excellente nuit, une bonne nuit dans la présence de Dieu. Dormez comme des bébés et réveillez-vous tout à l'heure pour que nous puissions encore être dans la présence de Dieu à 4h30. Alléluia. Soyez bénis. Alors vous qui aimez la vidéo, que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il vous fasse du bien. Et vous qui avez partagé aussi, qu'il vous fasse du bien. Alors pour le programme, donc les 3 derniers jours de notre jeûne, nous serons à 18h, nous serons à l'église pour l'opération prière à terre. Prière à terre, c'est-à-dire nous allons prier à terre. Il n'y aura pas de chaise, à part si vous avez un problème avec les genoux ou les jambes. Alors là, on pourra, vous pourrez vous asseoir. Mais en tout cas, nous serons à terre. Ramenez votre drap, votre natte, votre petit tapis sur lequel vous allez vous asseoir. Vous allez prier en étant assis. Amen. Nous serons au pied du maître dans la prière à terre. La prière à terre pour dire, Seigneur, nous venons nous déverser. On vient se vider ici. Seigneur, on vient. Seigneur, fais ce que tu peux. Alors, quelqu'un plutôt, fais ce que tu veux parce que tu peux. Fais ce que tu veux parce que Dieu peut tout. Amen. Quelqu'un m'avait écrit que, prophétesse, nous qui sommes à l'étranger, mais vous serez aussi à tapis à terre. Tu ne viendras pas à l'église, mais toi, tu seras tapis à terre chez toi. Tu vas préparer ton petit tapis, ton petit coin. Tu vas prier à terre. Amen. C'est tout. Tu vas prier à terre de chez toi. Tu vas être... Tu mets ton tapis ou tu mets ta natte ou tu mets ton drap ou ta couette, je ne sais pas. Et tu t'assois, tu pries à terre. Nous serons à terre. Amen. Nous serons à terre. Et nous allons implorer la grâce de Dieu et il nous fera du bien. Donc ça, c'est le programme le 20, le 21, le 20, le 21, le 22 décembre. À partir de 18h, nous sommes donc à l'église au 1 rue Fernand Reynaud à Corbeil-Essonnes. C'est là que nous allons faire notre programme de prière à terre au pied du maître où nous allons encore implorer la grâce de Dieu. Et Dieu va nous faire du bien. Et nous avons aussi notre programme donc, pour la bonne année, la nuit de la traversée 2022. Nous serons donc toujours à Corbeil-Essonnes. À partir de 21h30, nous aurons notre culte de la traversée. Après le culte, nous aurons un dîner. Le dîner qui sera vraiment un dîner excellent parce que c'est la TPS traiteur, l'équipe des traiteurs de la TPS, c'est de vrais traiteurs, l'équipe des traiteurs de la TPS qui vont faire à manger. Donc, ça sera un dîner royal. Ramenez une offrande pour cela. Alors, pour cela, s'il vous plaît, on a mis un lien. J'ai mis un lien ici, le lien d'inscription. Si vous allez venir le 31, s'il vous plaît, cliquez sur ce lien, allez vous inscrire et dites-nous combien de personnes vous serez. Comme ça, on peut déjà se préparer. Vous serez combien de personnes? Vous allez venir comme ça. On peut savoir à peu près le nombre de personnes qui seront là et par rapport au repas et par rapport aux places. Voilà, soyez là le 31. Et dans ce lien d'inscription, vous avez la possibilité de donner l'offrande pour la nourriture. Vous avez la possibilité de donner votre participation pour la nourriture. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire sans pour autant prendre la nourriture parce que peut-être qu'après le culte, vous allez partir. Amen. Ou encore parce que vous donnerez votre offrande sur place. Vous avez le choix. Ou vous vous inscrivez et donnez le don pour la nourriture. Ou bien vous vous inscrivez tout simplement pour dire que vous serez là. Et on va comptabiliser toutes les personnes pour nous permettre de mieux nous préparer. Amen. Mais en tout cas, soyez là, ça sera vraiment exquis, ça sera glorieux. Nous serons au pied du maître dans l'adoration, dans la louange et ça sera un temps vraiment merveilleux, merveilleux, merveilleux. Donc, notez bien, notez dans vos agendas, notez cette date, le 31 décembre. Nous sommes à Corbeil pour la nuit de la traversée suivie d'un dîner qui sera fait, préparé par l'équipe de la TPS Traiteur et ça sera vraiment, 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 vraiment magnifique, comme dit le pasteur, magnifique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne nuit et soyez fortifiés. Soyez bénis et soyons tous fortifiés. Et donc, on se retrouve tout à l'heure. 4h30, on fait 4h30. 4h30, comme ça, on peut dormir. Donc, sur ce, je vous dis donc, je vous souhaite une bonne nuit. À très bientôt. Ciao, ciao. Il est bon, aïe, mon papa est bon, il est bon, il est rempli d'amour, Jésus.
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de Prière Summer pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.